Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous allons montrer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, tout simplement, parce qu'on n'a rien fait de la semaine de spécial, mis à part sur du trading CFD, mais ça, on va pas en parler. Aujourd'hui, on va montrer les arbitrages qu'on a fait, puisque là, il y a peu de temps, je vous avais parlé de Netflix, on avait acheté un peu de Netflix. Là, on gagne 20% en disant une petite semaine. On gagne 20%, donc on les prend. On vend notre ligne Netflix que vous voyez ici, on l'a vendue. Hein, donc on a gagné 220 euros. Donc en gros, on en avait 5, on a fait un peu plus de 20% de gain. Voilà, on dégage. De ce titre qui peut encore monter, hein, ceci dit, mais voilà, quand on fait une bonne performance en peu de temps, des fois, faut savoir l'apprendre, prendre ses bénéfices et puis se reporter sur autre chose. Alors, ce qu'on a vendu aussi, c'est Pfizer, qu'on avait déjà tradé plusieurs fois, mais en gros, on dégage avec un peu plus de 30% de gains aussi sur Pfizer, avec des gains assez conséquents, donc on s'en va. On quitte le navire et on n'a donc plus de Pfizer et on n'a plus de Netflix. En contrepartie, on a arbitré. Et on a arbitré sur quoi? Alors là, encore une fois, j'ai oublié de vous le signaler, mais vous voyez là, on est sur deux giros et on est sur nos positions fermées. Là, ce que je vous montre ici, c'est donc des positions fermées. Et donc, on voit tous les gains qui ont été fait sur tous les titres hein, qu'on a eu en portefeuille, mais tout ça, ce sont des positions qui ont été clôturées, fermées, et ce sont des gains qu'on a pris et qu'on pourra plus nous reprendre, puisque nous sommes partis de ces positions, nous avons clôturé ces positions, et donc nous sommes flat sur ces titres. Alors, en cliquant ici, on a nos positions ouvertes, qu'on va là. Voir. Alors on va les classer ici, hein. On peut les classer par ordre, en ordre croissant de gains et de pertes. Alors là on voit que Tesla, qu'on avait aussi acquis à peu près en même temps que Netflix, on avait autant de titres, mais par contre les titres Tesla étant beaucoup plus chers, hein, une ligne beaucoup plus grosse en termes de volume en euros. Pour l'instant, on gagne 812 dollars sur Tesla, c'est-à-dire qu'on gagne plus, hein, en fait, même sur Tesla. Mais par contre, nous allons conserver cette ligne qui, à mon sens, a encore un beau potentiel, et donc on va garder donc Tesla. Donc, sur quoi avons-nous arbitré? Alors, pour voir un petit peu ce qu'on a fait, on va aller voir ici, on clique ici sur étendre le panel. Et là, on voit les transactions qui ont été faites à 18h55. Hein. Là, je regarde quelle heure il est. Il est 19h26. Donc, en gros, on a acheté à la place 11 Realty Income, hein, que vous voyez ici. Et on a acheté 14 Taiwan Semiconductor. Et on a acheté 12 Agnico Eagle Mines. Alors pourquoi avons-nous choisi ces titres? D'abord, c'est des titres qu'on a déjà en portefeuille, donc nous allons consolider nos lignes. Et surtout, ce qu'on voit là, c'est que ce sont des lignes sur lesquelles nous avons des pertes. Donc, ceci dit, ça va nous permettre de, sur Agnico Eagle Mines, puisqu'on a été déjà en perte, on réduit nos pertes, on augmente effectivement notre nombre de titres. La même chose sur Taiwan Semiconductor, hein, puisqu'on a acheté aussi du Taiwan Semiconductor, Agnico Eagle Mines et Realty Income. Donc tout simplement pour moyenner et consolider nos positions. Ceci dit, bon, Taiwan Semiconductor, c'est une grosse ligne, on verra ça plus tard, mais sinon, Agnico Eagle Mines, c'était vraiment une toute petite ligne, et nous la faisons grossir tout simplement. Alors, autre titre qui a été acheté, on a acheté du Pagaya Technology, donc Pagaya Technology, et je vais vous expliquer pourquoi on achète ça. Alors, on va le voir ici, on a acheté 30 Pagaya Technology à 10,29 euros.
il y a environ 1 heure, hein, donc en gros, et ce titre gagne déjà 5,91%, allez hop, 6,51%, en gros, il n'arrête pas de monter, quoi. En scannant un petit peu les plus fortes hausses, etc., j'ai détecté ce titre qui m'a l'air intéressant. Donc on a acheté une petite ligne, vraiment, puisque je ne connais pas du tout cette valeur, hein, je ne vais pas me risquer à prendre des risques inconsidérés. Donc une petite ligne, tout simplement. Alors, ceci dit, ça nous fait un profit and loss, donc un profit cumulé de plus de 5178 euros sur ce compte. C'est souvent ce compte-là, hein, que je vous montre pour vous expliquer comment on fait de l'arbitrage ou comment on passe des ordres. Moi, je vous conseille, hein, sauf pour un PEA, parce qu'on ne peut pas ouvrir de compte PEA sur cette plateforme de Giro, ce qui est bien dommage, mais sinon, vous avez des frais extrêmement, extrêmement bas sur de Giro. En tout cas, je vous conseille ce courtier qui est très sérieux. Alors, avant de vous parler de Pagaya Technologies, hein, qui est une société israélienne. Je vous montre un peu le portefeuille PowerTrade comme à notre habitude. Vous voyez que Total, AXA, Taiwan Semiconductor, Auréal, tout ça n'a pas trop changé. On a tout simplement aujourd'hui un petit peu augmenté notre nombre d'actions sur Taiwan Semiconductor. On a aussi sur Agnico, là, sur des lignes beaucoup plus bas, je ne sais plus où est Agnico. Voilà, Agnico, on a augmenté notre ligne et vous voyez, on reste à seulement 0,11% du portefeuille. Hein, c'est toujours pas quelque chose de complètement mirobolant. Mais c'est des petites lignes qui sont certainement appelées à grossir, sauf très forte hausse, si très forte hausse il y avait. On a aussi augmenté notre position sur Realty Income. Qui a un petit peu augmenté, qui monte un petit peu, hein, dans notre classement, puisque là maintenant ça représente 0,36% de notre portefeuille. Très très bonne valeur qui verse, je le rappelle, un dividende trimestriel. Ce qui nous amène à notre résultat, hein, depuis le début de l'année. Donc on a un petit résultat de plus 4,47%. C'est pas terrible, terrible, mais je vous rappelle que le CAC 40, lui, est négatif. Regardons ça, négatif de 13%. C'est-à-dire on fait, ceci dit, 18% environ de mieux que le CAC 40. Voilà, on fait mieux, mais c'est pas terrible non plus. Hein. On va pas non plus crier victoire, on est les meilleurs. Mais c'est dans des temps difficiles comme en ce moment, c'est pas si mal. Et c'est pourquoi on fait des petits allers-retours sur des petites valeurs ou qu'on prend des bénéfices quand il y a des bénéfices conséquents et qu'on se reporte sur des valeurs sur lesquelles on a fait des flops, hein, tout simplement. Et il y en a pléthore, hein, de valeurs sur lesquelles on a fait des flops, hein. On a Veolia Environnement, on avait Michelin, on avait L'Oréal, mais L'Oréal se redresse. Bouygues, c'est un flop, hein, on ne va pas se voiler la face. AXA aussi, pour l'instant, mais ce sont des très bonnes valeurs, donc on conserve. BNP, c'est aussi un flop. Donc Schneider, si là c'est quelque chose qui nous a permis de reprendre un petit peu de poil de la bête dernièrement, mais voilà, sinon pas terrible. Fait un flop aussi sur Agnico et Eagle Mines, mais voilà, ce sont des toutes petites lignes, c'est pas bien bien méchant. Par contre, on se reprend sur Air France et Visiomètre, donc on commence à avoir un petit peu plus clair sur ces deux valeurs qu'on conserve, que je vous avais conseillé, valeurs que je vous avais conseillé dernièrement. Autre flop, hein, c'était Imerys, hein, on est dans le rouge aussi avec ça. Mais ceci dit, voilà, c'est pas bien méchant,
puisque grâce à nos titres Total qui surperforment, hein, puisque les titres Total qui est notre plus grosse ligne de notre portefeuille, Total, lui, malgré la baisse de ces derniers jours, affiche plus de 7% de hausse depuis le début de l'année. Alors, pendant que je parle, hein, Pagaya Technologies, elle pagaye bien, puisque je l'ai acheté tout à l'heure, elle gagnait 93% de hausse aujourd'hui, sachant qu'avant-hier, elle avait fait aussi quelque chose comme 100% de hausse, ce qui a attiré, bien sûr, mon œil averti sur ce type de progression. Hein, quand ça progresse très fortement, c'est que certainement qu'il y a une raison. Donc, en gros, cette valeur donc, qui fait pas loin de 130%, là, 131% au moment où je vous parle, j'ai été regarder un petit peu ce qu'elle fait. Et puis, donc, elle est dans l'intelligence artificielle, hein, surtout dans le secteur de crédit. C'est une société israélienne, hein, et bon, rien de spécial, sauf qu'elle a été introduite il n'y a pas très très longtemps, et elle avait, on le voit sur ce mini graphique, hein, je ne vais pas vous montrer le graphique comme je vous montre d'habitude en grandeur nature, hein, mais là on voit très bien qu'elle a végété, qu'elle l'a plongé, et que là, comme je vous l'ai dit, on a eu une très forte hausse avant-hier de plus de 100%, hein, puisque elle est passée de moins de 3 euros à 6 euros. Hier, elle a un petit peu reflué en faisant un doji, et puis là aujourd'hui, elle réexplose. Et donc, bah écoutez, moi je ne vois que des choses positives dans ce graphique. Ceci dit, bon, comme je vous l'ai dit, on a mis très peu d'argent, hein, on a fait une toute petite ligne parce qu'on ne connaît pas la valeur, et j'étais regarder le détail du communiqué de presse sur Pagaya Technologies qui annonce un calendrier de publication de ses résultats du deuxième trimestre 2022. Donc en gros, c'est cette publication, hein, qui a tout simplement fait booster le titre. Voilà, on va rester quand même très prudent, hein, parce qu'il ne faut pas se lancer tête baissée sur ce genre d'investissement. C'est quelque chose de très, on va dire, très spéculatif. Mais voilà, donc c'est une société de technologie financière, c'est surtout de l'intelligence artificielle, qui s'efforce de remodeler le marché des prêts en utilisant l'apprentissage automatique. Donc voilà, on est en plein dans l'intelligence artificielle, et visiblement, il y a des bonnes nouvelles, hein, certainement qu'on ne connaît pas, mais voilà, cette petite annonce, personnellement, me fait penser qu'il y a des choses que certaines personnes, on va dire, initiées connaissent, et s'arrachent le titre. On va retourner sur Pagaya, là, qui gagne 134%. Donc voilà. Je vais terminer sur cette vidéo de fin de semaine sur Pagaya, en vous rappelant que je ne suis pas votre conseiller financier, je suis simplement là pour vous essayer de vous donner des petites idées ici ou là. Vous faites pas, à vous de voir. En général, voilà, ce qui compte, c'est qu'au global, l'ensemble de ce qu'on fait soit plus gagnant que perdant, hein. Il y a forcément des titres sur lesquels vous aurez des moins bons résultats, voire des mauvais résultats, mais ce qui compte, c'est que globalement, nous tirions notre épingle du jeu, et que nous essayons de créer de la valeur sur notre portefeuille, et si possible de pouvoir en vivre, ou tout du moins mieux vivre. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine.